Alléluia, 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 peuple chimé du ciel et de la diaspora. Que la paix de Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian, soit avec nous. Ce matin, je voulais parler un peu avec le peuple. Je voudrais amener le peuple de Dieu à voir la réalité, à voir le travail parfait que Dieu fait. Comment Dieu autrefois a travaillé avec les prophètes et comment Dieu travaille avec Papa Florian de nos jours. Avant, avec les prophètes, tu vas voir un prophète, il va te parler de ta vie, il va te parler de tes problèmes, c'est vrai, mais il n'y a pas de solution. On fait des prières, on attache les gens, on fait Lazare. Quelle prière on n'a pas fait? On a pris l'eau, on a bu, on s'est lavé avec le vin, tout ça là, il n'y a pas de solution. Nos problèmes demeurent. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Dieu a changé, Dieu a trouvé un autre système pour ses enfants, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on ait solution, qu'on soit consolé. Alléluia. Dans 1 Samuel 9, verset 9, vous allez lire, vous allez voir comment Dieu a travaillé avec les prophètes. Allez dans Joël 2, verset 28, vous le connaissez déjà. Joël 2, verset 28, vous allez voir comment Dieu a résolu de mettre son esprit sur son peuple. Allez dans Ésaïe 44, verset 3, comment Dieu a résolu de mettre son eau sur les terres desséchées. Ésaïe 39, verset 29, vous allez voir. Nous sommes des terres desséchées. Depuis longtemps, on a des problèmes. Le sol ne va pas. On prend, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. La santé, ce n'est pas ça. L'argent, ce n'est pas ça. Il n'y a pas enfant. Et on est fatigué. Aujourd'hui, Dieu a trouvé une solution à nos problèmes. Peuple chemin du ciel, nous sommes au bon endroit. On arrive au chemin du ciel. Papa Florian dit, prends les éléments. Quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui vient au chemin du ciel, papa dit, prends les éléments. Il prend les éléments, il s'en va, il fait les éléments, il devient son propre prophète. Ce que les prophètes devaient lui dire depuis longtemps. Ce qu'il attendait. Il veut savoir pourquoi il souffre. Les éléments, la religion divine, le sang de Jésus, le lait et les autres, même la serviette, révèlent aux enfants de Dieu, leur problème. Non seulement ils révèlent le problème, mais ils vont encore te révéler qui est à la base de ton problème. Non seulement il va te révéler qui est à la base, il va encore te dire la solution que tu vas adopter. Ce que les gens ne faisaient pas avant. Aujourd'hui, quand on voit les témoignages sur le du ciel, la femme musulmane, une grosse plaie qui est venue, qui a été guérie par les éléments prophétiques, mais dans sa maison, il y a un représentant de ses ennemis. Une sœur qui est en Europe. Vous vous rappelez ce songe-là? Une sœur qui est en Europe. Dieu va lui parler. Va lui dire, voici ce qui se passe dans la maison de ma servante, la femme musulmane. Mais depuis l'Europe, la femme, notre sœur en Europe, elle est devenue prophétesse grâce aux éléments du Dieu de Papa Florian. Elle a ouvert, son esprit a ouvert, elle est devenue prophétesse. Elle a vu la vie de sa sœur. Regardez. La camarade est clé-clé. Mais elle se promène dans toutes les églises. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle est venue avec Papa Florian. Avec les éléments de Papa Florian. L'Esprit de Dieu va parler à sa fille qui est en Europe. Dans le numéro de sa maman. Elle copie. Elle s'en entend la voix de Dieu qui lui parle. Son mari n'a pas entendu. Son enfant n'a pas entendu. Elle prend son mari, son enfant. Elle vient en Côte d'Ivoire atterrir. Et puis la voix lui dit, comprends le numéro. Elle comprend le numéro. Dit, maman, je suis là, viens me prendre. Ça m'a étonné. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est jamais vu. Aucun prophète ne peut faire ça.
Si papa disait à l'âme de Kekle, fais ça, elle n'allait pas croire. Mais elle-même, elle a vu. Elle est devenue prophétesse. Non seulement elle est devenue prophétesse de sa maison, sa fille qui est en Europe, elle est devenue prophétesse. Et Dieu le révèle. Dieu nous parle à travers les éléments profonds. Dieu nous parle directement. C'est dans Joël 2, verset 28, ce qui est là. Le sel, le lait, le sang de Jésus. Ça, c'est de l'eau. Vous voyez dans Esaïe. Quand tu bois ça, il te purifie, il te moins, il te nettoie. Il enlève tout ce qui est déchet et impurité. Mais on va à l'hôpital, il n'y a rien. Oh, à l'hôpital, il y a encore les sorciers qui sont là-bas. On parle de la révélation divine. On se purige. Ce que les médecins ne veulent pas faire là. À la maison, chez nous, nous on fait notre propre opération. Alléluia. On devient encore notre propre médecin. Notre propre opération, on fait ça. Notre propre examen, on fait ça à la maison. Alléluia. Regardez quand Dieu travaille maintenant. Regardez, est-ce que vous voyez comment Dieu travaille maintenant? Le chemin du ciel. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Quand Dieu dit, nous devons écouter les messages. Dieu a parlé à travers la vieille, la semaine, samedi, je suis passé. La vieille, notre maman qui a fait un son, qui a dit qu'elle partait dans la maison de Dieu, elle était attachée comme une jeune fille. Là, il lui a dit, tu es bien habillé, mais tu n'as pas porté foulard. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, Dieu nous parle. La maman est devenue prophétesse comme ça, hein. À cause des éléments, Dieu n'a pas fourni. Mais le foulard, ce qu'elle a dit, ça n'a rien dit aux gens. Ça n'a rien dit aux gens. On a encore des femmes au sommet du ciel, même à la diaspora, nos sœurs, ils font des prières dans leur maison sans se voiler. Nous devons revoir ça. Dieu a laissé un grand message comme ça. Quand papa a pris pour toi au téléphone, la diaspora, mais femme, couvre ta tête. Quand tu mets ta main dans le sang de Jésus pour prier, couvre ta tête. Parce que tu parles à Dieu. Donc Dieu a vu que beaucoup échouent dans leurs prières parce qu'ils ne coupent pas leur tête. Dieu a parlé à travers notre maman. Au sein du ciel, je vois de nombreuses filles qui viennent et puis ils ne coupent pas leur tête. Il y en a même qui s'habillent, ils mettent chapeau, cheveux là ici. Ce n'est pas couvert. Alléluia. Quand tu prends foulard, tu mets ici, que cheveux ici là, ce n'est pas couvert. Donc tu seras comme la maman là. Tu ne pourras pas rentrer dans la grande maison qui va venir bientôt là. Tu ne seras pas dedans. Hein? Donc, revoyons notre position. Nous devons revoir ça. Dieu nous parle. Alléluia. Dieu même parle même à travers nos soeurs. La soeur qui dit, elle a quitté son mari. Et Dieu lui a dit, retourne à la maison. Tu vois, elle est devenue prophétesse. Et elle a vu la vieille femme qui est sortie de sa maison. Elle est devenue comme la première des yeux de son mari. Vous voyez comment elle est devenue prophétesse? On a gagné, Dieu du chemin du ciel. On a gagné. Que la paix soit avec nous. Soyez fortifiés. Accrochons-nous. On est devenus nos propres prophètes. On n'a plus besoin de prophètes. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. On a accroché aux éléments. Nous prions, soyons résolus. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.